Enfin bro, juste sors de ton lit. Ouais, tu vois, c'est dur parce que, encore une fois, le problème de la dépression, c'est que vraiment, t'es au fond de ta vie et que. Genre, c'est vraiment. C'est vraiment ultra dur de juste sortir de son lit. C'est. Il y a vraiment des jours où j'ai pu passer 15 à 20 heures dans mon lit. Et quand je me levais, bah, je sais pas, tu vas aux toilettes, tu prends un truc à manger et puis tu te reposes. Et même si j'étais pas forcément à manger dans mon lit ou quoi, bah, juste t'es là, tu branles rien en fait. Et t'arrives pas à sortir de cette torpeur. Et en fait, c'est ce qui fait encore plus peur, c'est d'être dans cette torpeur et ne pas réussir à en sortir en fait. Et ne pas aller reach out. Ne pas. Et le pire. C'est pire en pire parce que. Une fois que t'essayes de reach out. Et que tu peux plus parce que t'as plus les contacts pour. Tu t'enfonces encore plus en fait, tu vois. Et c'est un cercle infini en gros. Et c'est pour ça que. Pour sortir, faut se faire violence, c'est ce que moi je me suis fait, tu vois. Je suis, par exemple, moi j'ai un tic, notre rôle, c'est de delete mes friend list. Bah, y a pas de raison apparente, mais il y a juste des moments où je vais être en mode, mais attends, mais. Pourquoi j'ai ces gens-là dans ma liste d'amis, etc. Et je commence à delete les friend list, et au fur et à mesure, je commence à delete. Alors, c'est ce qui en soi va créer ton cercle social, tu vois. Et même si c'est pas forcément des super potes ou quoi, bah, tu n'as aucune raison de les delete. Ok, nice, magnet. Encore une fois, j'ai une maline à cause de mon support, let's go. Faut vraiment que j'arrête de follow mon support. Hein. Faut vraiment que j'arrête ça, notre rôle. Alors oui, bien sûr, il y a le principe de... En fait, le principe de delay des gens est fine, tu vois. C'est sain de comprendre à quoi correspond ton cercle social. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est que quand tu commences à trimer, en gros, c'est comme avoir un petit arbre, ok. T'as un petit arbre. Et ton arbre, il pousse au fur et à mesure. Et pour le garder clean, tu vois, pour qu'il ait de la gueule... Ah, tu le trimes de temps en temps, tu vois, tu coupes les feux qui dépassent, etc. Sauf que, si t'es trop focus sur l'arbre, va arriver un moment où tu vas commencer à trouver des excuses pour pouvoir le trimer parce que t'as rien à faire, tu vois. Et du coup, tu vas te retrouver à... Oh, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. J'avais déjà tag avec ce mec et c'était une mauvaise expérience de lane, je m'en souviens. Son pseudo me dit grave quelque chose. Sans compter que le match-up est absolument abject. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez trimer l'arbre. Vous allez trimer l'arbre, alors que c'est pas forcément nécessaire. Sauf que vous allez rentrer dans une rengaine où ça va être normal de trimer l'arbre alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et du coup, après, vous allez vous retrouver avec un tronc qui a pas de feuilles. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis en train de faire la comparaison avec l'arbre, avec le cercle social, en gros. Avec le principe de supprimer ses amis, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vraiment une sale merde, je le dis, c'est une sale merde. T'es une sale merde, Léo. Objectivement une merde. Alors, comme Philippe Abuseur, je me souviens, c'était un gros TP Rumble. Je me demande à quoi ressemble la game. Ouais, voilà, il a solo lose le bot, 0-2, 0-1, donne le first blood à Tristana. Se barre de la bot lane, après avoir lose et m'avoir forcé à back en early. Let's go. Toujours un bonheur de l'aîné avec ça. Quand on n'a pas d'amis, on fait comment? Bah oui, mais c'est ce que je dis, tu vois.
Quand on n'a pas d'amis, c'est quand t'es arrivé au stade où t'as trop trimé, tu vois. T'as trop fait le tri où c'était pas nécessaire et. Et le peu d'intéressant que t'as aujourd'hui, c'est. T'y mets trop de poids et du coup, ça te met trop de pression, tu vois. Genre, moi je vois comme ça personnellement. Après, je dis ça, mais c'est mon expérience personnelle au final, tu vois. Genre, moi, je sais que ça m'a vraiment causé des problèmes au final. Il y a d'autres raisons pour lesquelles. Tiens, chaque groupe de potes, tu le perds pour une raison, une raison particulière, mais au final, le point commun de tous ces potes que t'as fini par perdre, faut pas oublier que c'est toi, tu vois. Comme c'était pas suffisant, le match-up est déjà immonde. Chercher une plante. On va aller ward par la même occasion. Ah, passer niveau 6 sur cette wave ou la prochaine. Faut que je respecte. Elle a deux kills d'XP, elle risque de passer 6 là. Je pense qu'on perd le 2v3. Je rigole même pas. Et niveau 6. Soixante et un, nice. J'ai légèrement plus de farm du coup. Quel enfer. Ouais. Ah, il y a trop de div de laner. Tempé. Ah, yikes. Pas de plaque, dommage. J'ai mon carquois et mes bottes normalement là. 650 et 800. Ah non, 600 et 800, nickel. Oh, attends, on va faire encore mieux, on va attendre la pioche au final. Ah, vaut mieux attendre la pioche chez nous. Ah, il vaut mieux attendre la pioche. De toute façon, oh, mais il est sérieux à TP sur la lane alors que sa lane ne push pas là.
C'est GG. Trop de différence de joueurs, malheureusement. Il pense que j'ai combien de QI sans déconner? Graves et Audric. Ok, shutdown au top. Ok. Ok, dommage. Il aurait dû garder l'aggro pendant encore une auto-immo. Allez. Hop. Et qui d'autre a ban 24 heures là? Ouais, sorry, j'ai vraiment pas la tête à ça là. J'ai pas forcément des modos au taquet. Mettre une journée de ban et puis on verra plus tard. Pas envie de me prendre la tête. Ma journée est trop bien pour qu'on me casse les couilles. Nice. Je viens de faire mon sport, hein, t'inquiète, t'inquiète. C'est winnable ou pas? En vrai, j'ai eu un shutdown. Ouais, je sais pas, on verra. Je pense pas, en vrai, ils ont... Après, on a un excellent scaling à voir. Ah putain, il s'est encore fait baiser. Just for you. Yo! Thanks, Wisdom. Poggers! Ah, grâce à toi, mon bon. Max Dapers pour Wisdom, s'il vous plaît. T'es soit dit, bon. Aujourd'hui, vous me très très bien.
Ça me casse un peu les couilles parce que du coup j'étais pas extrêmement focus sur la game. Putain, fait chier. Je me demande si j'aurais pu la défendre, je pense pas en vrai. J'ai le temps de farm ou pas, j'ai pas l'impression. Hein. Mais bad. Je pensais que il allait faire autre chose que rien. Mais apparemment pas. Wisdom a fait chauffer la carte. Ouais, ouais. Wisdom qui s'est donné aujourd'hui, ça m'est bien. Ah, mais aujourd'hui, c'était. Bon, moi, ça me met très très bien. Hein. Je suis content de voir que. Depuis ma reprise LOL, là, ça. Je suis vraiment content parce que ça. J'étais pas certain, puis je savais pas si j'allais vraiment enjoy LOL de nouveau ou quoi, tu vois. Et au final, je sais pas, les games sont cool, j'enjoy Vayne. Le chat a une bonne interaction la plupart du temps. Ce train de live va plus de 200%, ouais, ça me met bien. Si j'avais réagi plus tôt, on aurait peut-être pu le tuer. Peut-être mes badges, je sais pas. C'était risqué, en vrai, c'était risqué. On avait aucune info sur tous les autres joueurs. C'est vraiment risqué pour rien. Il y a moins que la Cassio carry en plus. Hein. T'es en train de faire un. Un cœur gelé. Ouais, elle devrait pas avoir besoin de nous là. Il a son smite ou pas? Il a pas son smite. Oh. Big. Big. Ah, winnable, hein. Doublé, gros shutdown, red buff. Winnable, hein. Il me faut 1900 gold. 1900 ou 1800, un truc comme ça. Je suis à 1600. En vendant les. Attends, je devrais l'avoir là. On va. Ah, 1900, putain, je l'aurais pas malheureusement. 149 gold. Ok, go full focus.
Nice. Ah, c'était un peu greedy, hein. Ils étaient un peu longs pour rien. Enfin, le Lulu Graves de Tristana, ça va pas être fun. Hein. Ouf. Big. Big. Oh mon double œuf. En vrai, mérite, elle a bien joué. C'est ok en vrai, hein. C'est ok, c'est ok. On perd le Nash, mais ils ont le Nash plus. Ils ont plus le Nash sur, sur la plupart des joueurs, donc c'est cool. Ah, je suis content, je joue bien sur les dernières games en vrai. C'était pas incroyable, on a eu des games pas incroyables aujourd'hui, mais au-delà de ça, on a vraiment eu des bons moves. Hein. D'ailleurs, on l'a clippé le quadrat tout à l'heure ou pas, là? Où on avait clutch une game alors qu'on était derrière. C'est juste pour savoir si ça a été clippé ou pas. Thanks. Y'a qui? Y'a le chêne, ouais. C'est. Ouais. Je pense que je vais encore faire une game, malheureusement. Y'a le chêne en bas, je l'ai vu. Ouais, je me bats. Je le sens mal. Ah, c'était Rumble, ok, nevermind. Back là-dessus. Bon ça, hop, crit, let's go. Oh, c'est bien joué ça, ouais. C'est insane, c'est vraiment bien joué. Elle fait trop le taf. Mec, c'est grave comme elle fait le taf là, la Cassio avec son stuff. C'est wardé là. Merci. De rien pour ça. La création de jeu est juste phénoménale. Mon focus est stratosphérique. Je zone avec elle parce que j'ai pas envie qu'elle se retrouve dans un coin et pick up par Tristana. Une grosse wave top. Je vais back, il y a le raid qui va spawn. Ah mais j'ai besoin de plus beaucoup de gold là pour l'IE malheureusement. 600 gold. Okay.
je me barre. Je raid Golem mais je devrais avoir mon IE. Let's go. Oh, même pas en vrai, si. Ah si, j'ai besoin de faire raid Golem. Hein. On back, on back. Putain, mais elle est complètement V9 par contre. C'est quoi ce stuff absolument ridicule? Zonia, cœur gelé. Elle fait la collection des items bleus. Elle a combien d'armure? Elle a 207 d'armure, 2400 HP. Non mais c'est abject. Tu déconnes ou quoi? Il a complètement V9 la game. Mais c'est abject. Regarde-moi ce build. ...200 d'armure, 2400 HP. Je mets des grosses baffes quand même. J'ai OP. Je suis dans la question. Hein. La Léona a failli nous chier dessus sur la game, mais c'est fine. Ouais. 97 LP. Putain, je suis content, on a encore fait une bonne game. Hein. Putain, si on, quand on arrive à mieux respecter Orly, mais encore une fois, quand mon support il fait de la merde, j'ai toujours. Je vous jure que c'est trop dur de voir votre support prendre des fights éclatés et d'aider dans un dilemme. Est-ce que j'aide à prendre le fight éclaté parce que sinon il meurt juste? Ou est-ce que je laisse mourir et je prends le risque qu'il tilte et qu'il leave la game?